Re tout le monde, on se retrouve pour la suite. La suite de The Park. Avec le précédent accident de tante tamponneuse. On recherche toujours Callum, notre fils. Et on entend un enfant pleurer. Il s'avère que le chemin nous a été montré par cette tamponneuse folle qui a tout déglingué. Qui bug encore. Toujours dans cette ambiance pour Halloween. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she... Just get some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, sheriff. En gros, alors je suis pas sûr d'avoir tout capté, mais à un moment elle dit qu'elle a pas toujours été un exemple pour en tant que mère. Et après elle a parlé de d'un exemple, je sais pas quoi, de que, je sais plus. Elle s'est pris d'une décharge, je sais pas. En fait, elle a laissé son gamin dans la voiture, le chef s'est approché pour lui mettre une prune, j'imagine. Et après, j'ai pas compris le lien avec elle s'est pris la foudre et elle a voulu mourir. Elle voulait pas qu'on la laisse en vie, quoi. Ça, c'est toujours ces petites pages déchirées. Je comprends pas tout ce qui est marqué. On parle des rumeurs à chaque fois à propos de ce vieux monsieur qui, on en parlait l'autre fois, qui serait un peu à l'origine d'une malédiction. À chaque fois qu'un éclair tombait. De la magie noire, ouais, ça croisait avec de la magie noire, on sait pas vraiment. Bien sûr que c'en était. Ah, donc là, on est comme à côté de ce site, à côté de tous ces autres potentiels. L'île de Salomon est un nexus pour toutes les énergies sombres. Et la pensée que toutes ces. Ouais, en gros, il y a toutes les trucs. Toutes les. Ok, tout se dissipe sur cette terre-là. Ça me donne la chair de poule. Il cherche un peu l'histoire locale pour savoir ce qui peut se passer et qui était vraiment ce truc, ce vieux monsieur là. C'est encore quelque chose de très incertain. J'aime bien sa voix. C'est le genre de voix que j'aime bien. Ah putain, le gamin qui pleure encore. Elle flippe un peu quand même. Ouais, du Chris Speed. Il me semble que c'est la même police que dans Life is Strange, c'est marrant. On va faire avancer l'histoire. Oh putain, ça y est, l'autre il est encore dans la roue. Est-ce que ce serait le vieux monsieur dont on parle? On va essayer de faire des liens logiques. L'autre, on va le voir apparaître comme c'est pas permis, tu vois. Oh, elle a une déchirure au jean. Ça, c'est du détail. Je vais me retourner, va être là. Non, pas du tout. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. Je rentre dans ta vie pour une raison. Things were different for Don and I. Il était bourré. I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home.
I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. Parle un peu de son père. I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. En gros, il parle un peu de son père, de la nuit où il l'a rencontré, de la nuit où ils ont eu Callum comme enfant, quoi. Enfin, là où elle est tombée enceinte. Et il est mort 3 mois après. Et je crois que c'est un rapport avec cette roue. Je sais pas s'il est tombé de la roue, j'ai détourné mes yeux d'un moment où elle a dit. En gros, il est mort. Mais je crois que c'est un rapport avec cette roue-là, cette grande roue. L'autre qui est toujours là, mais ça fait aucun sens qu'on le voie si bien, il est même pas caché. Oula, oula. Le jeu, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est pesant mais reposant en même temps. Toujours ce bébé qui pleure. Callum, where did you go? Est-ce qu'il en manque une? J'ai pas remarqué. Ouais, il en manque une. Donc ça doit être ça. Et elle parlait du comme un conte de fées en fait, sa vie. Et... Oh putain! Oh bordel! Et elle dit le conte de fées s'est fait enculer en gros. Parti en couille. Where are you? Est-ce qu'il faut que je revienne sur mes pas? He's coming? Qui? Qui y arrive? A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. Oh, putain. My angel likes to read, and little Johnny is so cool. Fuck those people. Ah d'accord. You give up 9 months of your life carrying them. You traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Ah oui, d'accord. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life sucking monsters who take and take and take until. Oh putain. We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's putain. Called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. Oh, putain. The little fuck right if I just abandon him. Waouh, bah elle a changé de caractère, hein. En gros, elle dit je déteste les gens qui parlent de leur enfant comme une idolâtre. La façon machin fait ça trop bien et tout. Ça me donne envie de vomir. Ton gamin, tu le gardes 9 putains de mois et tu dois le nourrir, s'occuper, l'éduquer. Et en gros, elle dit après mon fils m'a tout volé, quoi. Et je vois pas la détresse qu'elle a. J'ai pas lu ce qu'elle a dit, je crois qu'elle a dit je l'ai jamais fait ou je l'ai toujours fait. Bon, en gros, putain, elle est énervée, énervée. Hein. Elle est énervée, énervée, énervée. Bon, on l'attendait tous. Vous l'attendiez tous. C'est parti. Il est encore là, lui ? Gratuitement flippant. We need to talk about Callum. Oula. Oh, il est derrière moi? I. That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. L'antithèse de ce quoi? Oh putain. Poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Le parc a faim?
witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Fool. You always were. Tu es toujours. Tu as toujours été là. Putain. C'est bizarre, hein. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bordel! Ah, je suis tout seul. Oh bordel! Qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame? Un hôpital. Et clairement, quelque chose en rapport avec soit ce vieil homme que je suppose être. En gros, tout à l'heure, il lui a dit « Toi et ton enfant, c'est tout ce que nous ne voulons pas dans ce parc. » Mais il y a clairement un rapport avec sa naissance à l'enfant. Est-ce qu'il lui a dit que c'est... Il y a encore ce rapport avec la sorcière de Hansel et Gretel, ça fait encore du rapport. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. D'accord. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. They are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. Quoi? I can't save him. And there will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Donc en gros, son gamin... Attendez, avant que je lise le journal. Son gamin, il a été enlevé par des gens, en quelque sorte, qui s'occupaient de lui, quoi. Et l'autre, elle disait qu'en fait, il était un peu possédé, quoi. Il disait des trucs qu'il comprenait pas. Il avait des marques, il voulait pas dire d'où elle venait. Tout le monde a été choqué par ça. Personne n'a trouvé. Merde, je l'ai pas lu et du coup, ça va faire un truc. Bon, c'est pas grave. Il y a quelque chose là-bas ? Putain, elle est en train de péter un câble. Ah, sans déconner. En gros, elle disait aussi qu'on voyait de plus en plus de... C'est par là? Ah. Ok. On voyait de plus en plus de... Je sais pas comment on dit en français. Oh merde, ça bug un peu. Là, il se réveille en mode énervé. Non. Putain, la tête de clown. Il bouge ou bien? Bon. Il s'est fait arrache. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Il était derrière moi, lui. Comme si je ne l'avais pas remarqué. Bon. Craque pas, maman. Alors... Elle prend des pilules.
Là aussi un problème. Oh, what? 1980. C'est tout l'amour que tu peux lui porter. Dites non au graffiti. Ta mère. Ce n'est pas safe. Je peux goûter à tes rêves. Fuck gravity. D'accord, j'encule la gravité. Destroy reality. Détruire la réalité. Ah, d'accord. Ah oui, bah je crois que tout ce qui est marqué sur le mur, ça a été réalisé. Oh, mon copain. Bon, toi tu fais moins flipper quand t'es en carton. Hein? Tu veux pas que je passe par là? Fais le tour. Bah oui, fais le tour. Enculé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, c'est un compteur GGR. Pas un compteur GGR, un oscilloscope. Bref. Quelqu'un aurait un lance-roquette ou une masse. Wait, what? Je peux pas passer parce qu'il y a des nounours qui volent. Ah si, c'est bon. D'accord. Bah. Ah. Coucou. Pluto Time, Laurel, Naughty. Oh, je lis très vite. Even Serge, et tout ça, mais loin. First, you don't believe the rest, believe the rest, and I should go after the rest, and I don't know. Oh putain, y'a trop de trucs qui a l'air, ça me saoule. Je vois pas vraiment quelque chose qui me. Qui m'intéresse là-dessus. Ah, c'est un auto-oscilloscope. Oh putain, non, c'est un. Ah, la télé. Oh putain. Ok, fuck la gravité. Il est encore là, papy, là. Seulement, il a disparu. Il y a un Teddy, on peut pas le prendre là? Non. Tout ça parce qu'à la base il cherchait son ours le mec, hein. Attention. Ah, c'est elle qui a des marques maintenant. Des traces. Ah, on l'appelait le rocher. Ah, la pilule a fini de faire son effet. Je sais pas si c'était des médicaments ou de la drogue, mais ça a dû faire le même effet. Ouais, ça nique les yeux. Ah, d'accord. Le parc est un collage de contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. Putain. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears, while a grinning carny pockets your hard-earned $5. What secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I always despised a toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Bon, elle aime pas vraiment cette statue. Elle dit aussi que c'est vraiment ironique quand même ce putain de parc parce que avec tous les gens qui se crachent en bagnole, ils s'y reproduisent ça avec des simulations quoi. Et les gens ils crient de. Enfin les enfants crient de plaisir dedans, je trouve ça. Elle était en mode énervée en gros. T'as dit quoi? Bon. C'est parti. Enfin, c'est sombre. Là, vous devez rien y voir du tout. Parce que moi, j'y vois rien du tout. Ah. Ah, d'accord. Chargement. Pas génial. Chargement. Pas génial. Attendez, je vais peut-être le couper.
Bon. Heureusement qu'on a une lampe torche. Oh putain! On a changé de type de gameplay là, c'est beaucoup plus vif. Là, il va y en avoir du screamer, je vous le dis. Bon. Read page. Putain, encore des morceaux déchiquetés. Le parc de l'île Atlantique ferme ses portes. Pauvre petite. Mes machines ne peuvent pas mentir. I have sent my wife, pardon, ma femme et mon fils de retour à Boston. Et j'ai fermé la galerie des horreurs, quoi. Enfin, en gros, je pense que là, ces messages, c'est tout ce qui est en rapport avec le créateur du parc. Il y a des trucs bizarres ici. Oh! Oh putain, ça fait peur. C'est le bruit qui m'a fait peur, c'est le pu. D'ailleurs, on va voir un truc derrière nous. Non? C'est quand même bizarre. Il est passé en mode énervé. Oui, il a disparu. Quand on regarde dans le miroir, il disparaît. Ah non, c'est juste des fois il disparaît en mode énervé. L'ambiance est bien plus accentuée que dehors. C'est fou comme de simples endroits. Regardez les yeux qu'elle a, sans déconner. C'est normal d'avoir des yeux aussi blancs. C'est marrant comme de simples miroirs et comment ça s'appelle? Et des endroits renfermés, ça peut accentuer le. Oh, c'est la voix d'or. Ah, stop, elle est. C'est moi qui dis à chaque fois qu'il a fait parler. Hein. Ne crois pas à eux. Ne me fais pas regarder. Bah, quand même, si, on va regarder. Je te vois. Non, il est où? T'es moche, hein. Putain, les miroirs sont bien gérés. Je vois rien ici, non. Franchement, la seule frayeur que j'ai eue, c'est un screamer en carton, quoi. Putain, j'ai fait le tour, là? Faut regarder ça. Ah, derrière. Qu'est-ce qu'il y a, là? Je suis une horrible, où est-il? Il y a quelque chose à faire ici, honnêtement. Je veux pas regarder sa propre tronche et de fusionner la lampe dans le miroir, je vois pas. Je vois pas bien ce qu'il faut faire. Lire les livres, non. Tac. Je suis en train de me rendre compte aussi que c'était la première fois que je faisais un truc d'horreur sur la chaîne de moi-même. Je suis allé ici? Je sais plus. Mais ils me disent d'aller là-bas. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. J'ai dû rater quelque chose. On va faire demi-tour. Je peux pas courir en plus, ça c'est casse-couille. Celle-là. Bon, là, toujours. Peut-être quelque chose par là. Peut-être par là. Comment j'ai pu rater quelque chose? Il dit d'aller là-bas, mais. Ah, j'ai dû rater quelque chose. Peut-être que nous saurons dans le prochain épisode. Attendez, je vais regarder quelle heure il est. Ah, on a encore 5 minutes.
Show yourself. Je sais pas si c'est une boucle. Je pense qu'on était pas loin, j'ai dû le rater. Ouais, non, je suis revenu au début, ça va pas. Je sais pas ce qu'on a raté par contre. Parce qu'on a eu tous les screams et tout, l'autre il est sorti du sol en mode énervé. Ah, bah t'es déjà tout seul en fait. Je peux pas te faire flipper plus que ça, mais... Là, on n'avait pas de notes à lire, non. Là non plus. Ah, elle paraît un peu en mode énervé des fois, quoi. Là, il y a rien à lire aussi. Ça doit pas être loin, là. Là. Comment ça derrière toi? Il y a rien derrière moi. Il doit être par là. J'ai dû le rater. Ah, là. Faut qu'on arrive à aller en bas. Comment on fait? Il y a un escalier, il y a un chemin, je pense. Ok, c'est bon. Fallait juste continuer, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai merdé là-dessus. C'est pas grave. Désolé. Bah non, mais non. Comment on y arrive? Attendez. Là, c'est un cul-de-sac? C'est où? Bref. Ah, coco. Je sais pas vraiment ce que c'est, on dirait des trolls un peu... Je regarde toujours dans les miroirs. Hein. Putain, mais ça suffit. Je peux passer derrière. Non, c'est pas là. J'ai vu à un moment un truc, fallait que j'aille, mais... Bon, ça se trouve, faut juste continuer. Je crois que c'est à droite, là. Ouais, c'est ici. Non, c'est pas là. Boo. Ah voilà, il disait bien. Les incidents, je ne peux pas les... Je peux pas faire ça à la rage, quoi. Le parc marche, mais il y a quelque chose qui interfère avec... Avec ses fonctions. The very air in this place is corrupting the power even as a collected. Security is here and there acceptable, but where in place go and stabbing when you rampage is real attention. I'd rather not have the boys in blue. Ok. Ils veulent pas trop que ça se remarque. Apparemment, il y a des choses un peu bizarres. Je crois que c'est par là qu'il faut aller. Putain, regardez, moi, en plus c'est stylé comme personnage. Je sais pas si on les verra en 3D, mais... Bon, lui, il est un peu piné, quand même. Mais... Coco. Je pense que si elle a les yeux aussi blancs, enfin, à moins qu'elle soit un peu un monstre, c'est pour nous faire flipper quand on se voit. Ah, bah il est là, je veux te parler, toi. Viens ici. Who was that? Ah bah ça j'en sais rien, mais par contre j'aimerais bien lui parler. Viens ici enfoiré que je te bute. On a eu des coups de lampe dans la gueule. Ah, on peut ouvrir la porte. Et ouvre la porte. Non, bon d'accord, on peut pas ouvrir la porte. On va aller droit au but. Ah, examine. Le Nightmare Circus. Le cirque du cauchemar. After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home, bit of sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum, did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now. Lost and afraid. Things never got any better. The wild thing. Bon, en gros, je pense que là, ça mixe un peu avec sa vie, puisque ça doit être son appartement... Home, Sweet Peter, Sweet Peter Home.
La douceur amère, l'amertume un peu. Une petite liste de courses. La facture d'électricité. Putain, il y a une bonne ambiance. Toujours fermé. Le frigo paumé. C'est du poisson. Ah, d'accord, je me suis refermé la porte dans la gueule. Je savais pas. Ah, je marche sur le seau. C'est quoi ça? C'est le chauffe-eau? La télé. Télé, toujours un bon moyen de te faire flipper. Ah, une petite lettre. Miss Maillard. Comme on a vu dans le meeting aujourd'hui, on vous considère complètement couverte par votre maladie. Cette lettre est une notification officielle, comme quoi vous êtes considéré par votre esprit, votre corps, comme ne pouvant pas aller au travail tout le temps. S'il vous plaît, notez que nous pourrons pas toujours vous donner toutes les médicaments que vous avez utilisés et disposer d'un. Enfin, il doit y avoir. Je sais pas la différence entre medication et medicines, mais il doit y avoir une différence de sens. Ça doit être médicaments les deux, mais genre antibio ou des trucs comme ça. Je vous sens à chaque fois que vous souffrez, machin. Et s'il vous plaît, contactez notre physicien local immédiatement. En espérant que vous vous rétablissez. Merde. Y'a rien à la télé? Étrange. C'est pourtant un bon moyen de se faire flipper. J'aurais parié pourtant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. En tout cas, ce que je sais. Lorraine. J'ai reçu ta lettre. Je suis surprise. Tu as fui ton père pour toutes ces années. Disparu de tout ça, de la map, de la carte. Et je t'ai finalement retrouvé. Tu as refusé de répondre à toutes mes lettres. Et maintenant, tu écris pour me demander de l'aide. J'ai une autre famille et une autre vie. Ton père était un homme horrible. Et je regrette ces années que j'ai passé, que j'ai détruite, que j'ai, ouais, avec lui, quoi. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Mais chaque année, un petit peu plus. Voilà, tu es la fille que je ne peux jamais avoir. C'est un peu bizarre. Real foe for custody and run away with him. Tu as brisé mon cœur. Mais j'en ai besoin pour continuer de vivre. Je peux pas te laisser repartir dans ma vie sans refermer les anciennes plaies, quoi. Je suis désolé, Lorraine, mais je peux juste pas le faire. Peut-être qu'un jour, ce sera plus simple et que je pourrai rencontrer quel homme, mais pas maintenant. Je suis pas prêt à te pardonner. Ne me rappelle plus jamais. Calme. Bon, sur note un peu émotionnel, pardon, que nous allons nous quitter. Et je vous dis à la prochaine.